Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 19 février et je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé à Action. J'ai enfin trouvé des nouveaux blocs. Donc en fait on est allé à Action pour acheter des bonbons pour Elia pour son anniversaire lundi pour qu'elle amène à l'école. Voilà. Et je lui ai dit ben, on va faire un petit tour quand même pour regarder s'il n'y a pas des nouveautés. Elle me dit non, c'est bon, t'as assez de trucs pour scraper. Enfin bon, bref. J'ai dit on va quand même faire un tour. Et voilà, j'ai trouvé. Mais franchement, juste trop beau. Il y en a un, franchement, j'ai flashé dessus. Et là, je regrette de ne pas en avoir pris deux. J'en ai pris que un à chaque fois de chaque. Mais il y en a un, je pense que je vais aller chercher un deuxième. Alors déjà, avant de vous montrer les blocs, j'ai trouvé des Luxe Paper blocs. Alors je ne sais pas s'ils sont nouveaux, mais ils me disent rien. Voilà, après il y en avait un aussi dans les tons de rose. Mais bon, franchement, comparé aux autres, je ne suis pas fan, mais celui-ci, je l'ai pris parce qu'il y avait beaucoup de choses en fait. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre qui avait des choses masculines. Celui-ci, j'ai pris parce que les couleurs étaient, voilà, elles étaient sympas. Voilà, ça changeait un petit peu. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit truc avec ça, un petit album. Ou, voilà, les couleurs, vous voyez, elles sont quand même assez sympas. Même si, voilà, je suis pas tombée sous le charme. Voilà, vous voyez, c'est pas non plus foufou au niveau des papiers. Mais il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et j'aimais bien sa petite tête à lui, là, le petit ours, comme ça. Alors, je sais pas s'ils sont nouveaux, mais moi, franchement, ça me dit rien. Et je vous dis, il y en avait un. Voilà, je l'ai pris aussi pour la voiture ici. Et il y en avait un dans les tons un peu roses. Mais alors, il y avait un tigre. Vous voyez, ça fait un peu printemps. Donc, je pense que celui-ci, c'est un nouveau. Alors, vous me direz, hein, ça se trouve, chez vous, ils sont depuis longtemps. Et moi, j'ai peut-être pas fait gaffe. Et donc voilà, je vous disais celui dans les tons de rose. Donc voilà, pour celui-là, il y a des petits des tigres. Alors là, et les tigres, ils ont une autre tête. Franchement, enfin, moi, je ne l'ai pas trouvé beau du tout. Alors j'ai failli le prendre parce qu'il était dans les tons de rose. Il y avait des pages qui me plaisaient. Enfin, il était assez sympa. Mais cette page, le tigre, enfin, ce tigre-là, il me, voilà, il me bottait pas du tout. Donc je ne l'ai pas pris. Donc j'ai pris celui-ci. Et j'en ai pris un deuxième comme ceci. Alors pareil, ça me dit rien du tout. Avec le petit chat avec le chapeau. Alors peut-être qu'il existe, mais franchement, non. Enfin, peut-être qu'avant, hein, mais moi, chez moi, j'ai pas vu. Et celui-ci, en fait, il y a beaucoup de moustaches, etc. Et voilà, il y a plein de choses un petit peu comme ils sortent en ce moment industriels, comme je vous disais l'autre fois. Et moi, je trouve qu'il fait très, très masculin. Donc voilà, pour faire des cartes masculines ou des choses comme ça, pourquoi pas. Après, vous voyez, il y a des panneaux de signalisation. Enfin, c'est. On a un petit bonhomme avec des chapeaux, une moustache. Donc là, après, ça reste assez sobre. C'est juste des losanges gris. Voilà, après, il y avait les voitures comme ça me plaisait bien. Ensuite, nous avons ça. Alors ça me fait penser un petit peu aux chemises à carreaux qui portent les Américains. Mais c'est pareil, je trouve pas ça terrible, terrible. Mais bon, pourquoi pas faire un fond? Ça peut fonctionner. Donc là, c'est une page toute simple avec des petits points noirs. Après, celle-ci, j'ai trouvé super belle, par contre, au niveau de la page. Voilà, celle-là, j'adore. Après, là, on a des petites moustaches. Alors, chez nous, nous, c'est l'emblème de Brive, en fait. Enfin, l'emblème de Brive. Ils se sont approprié la moustache et c'est 100% Gaillard, en fait, que ça s'appelle. Parce que nous, c'est Brive la Gaillarde. Et donc, du coup, ça me fait penser à chez moi, en fait. À la ville, quoi. De chez moi. Du coup, ben, là, on a du bois. Et après, voilà, on a par contre des die cuts qui sont vraiment super chouettes. Regardez, on a des paires de chaussettes, une chemise, vraiment que des trucs masculins. Donc voilà, je l'ai pris parce que pour une fois qu'il y a des choses masculines en fait et qu'on trouve jamais, voilà, le jeu de cartes là, il est trop beau. Voilà, donc moi, enfin, celui-là, il me dit rien, rien du tout. Vous voyez, on a même des trucs du sport pour le foot, le rugby. Non, même pas, c'est pas du rugby, c'est football américain. Il n'y a pas de rugby, ben, il y a la manette de PlayStation. Non, c'est même pas une PlayStation, celle-là. Je ne sais pas laquelle c'est. Après, on a de l'astronomie. Et après, on a. Si on connaît quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Hein, moi, je dis. Et après, voilà, un peu saloon, etc. Voilà. Donc, celui-ci, franchement, j'ai même pas vu. On a même le barbecue et tout. Excellent.
C'est génial. J'avais pas tout vu exactement. Mais voilà, celui-là, franchement, pour faire des choses pour les gars, c'est juste au top. Donc celui-là, c'est juste à garder au cas où si j'ai des choses à faire pour des garçons. Maintenant, on passe aux objets du daily. Hein, je vous montre. Donc voilà. Donc on en a un. Donc celui-ci, c'est floral and basic. Donc déjà, les couleurs, elles sont dans les tons de rose, bleu. Bleu nuit, etc. Et alors celles-ci par contre ne sont pas recto verso, voilà, elles sont juste comme ça et c'est pas mon kiff, mais voilà, on a le foil à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave, voilà, le papier il est juste, les feuilles elles sont juste trop belles. Donc on a un papier comme ça. Alors est-ce que si je vous éteins vous y voyez un peu mieux? Pas sûr. Ensuite on a celle-ci où il y a les voyez des petits peu, un petit peu de foil à l'intérieur. Ensuite on a juste une rose à pois blanc comme ça, toute simple, une deuxième, voilà, donc ça marche toujours, hein. Après on a une bleue rayée comme ceci, pareil, pas de foil. Après nous avons plein de petites fleurs comme ça, franchement il est super joli celui-ci aussi, j'ai hésité à le prendre en deux fois, enfin tous, hein, je vous avoue. Après, on a celui-ci où il y a les petites feuilles qui sont, par contre, vous voyez, en foil, comme ça. Ensuite, on a une bleue nuit avec des points bleus. Donc, tout là, par contre, pour celui-ci, tout se coordonne bien, quoi. Comme ceci. Après, on a des petits cœurs, des roses avec... Là, c'est un papier rose, vous voyez, avec des tout petits cœurs, comme ceci. Ensuite, j'ai les mains, elles sont toutes sèches avec le boulot. Là, on a des petits cœurs en foil. Voilà, comme ça. Ensuite, on a des pois bleus. Voilà, tout simple aussi. Là aussi. Après, on a celui-ci. Franchement, il est juste trop beau aussi. Il est fin, quoi. Il n'est pas grossier, quoi. J'aime bien. Voilà, c'est des fleurs, mais elles sont super fines. Et pareil, le foil, là, il me dérange moins parce qu'il est vraiment... Vous voyez, il est subtil, quoi. Il n'est pas un truc vraiment brillant, brillant. Après, on a celui-ci. Donc, ça, c'est pas des cœurs. C'est, vous voyez, des toutes petites fleurs comme ceci. Ensuite, on a la même chose, mais en foil. Ensuite, on a des gros points comme ça. Des points, vous voyez, bleus comme ceci. Ensuite, ben, je croyais que ça allait être du foil. Là, bah, on a une grande page, comme ils nous font souvent. Alors, ces pages-là, voilà, je vois pas l'intérêt, parce qu'en fait, si, à part si on fait une page 30-30, on met la photo, bim, et voilà, notre page est faite. Le problème, c'est qu'ils nous en mettent deux. Donc, moi, personnellement, je les utilise pas, celle-là. Et ensuite, on a celle-ci. Donc, pareil, les fleurs, il y en a beaucoup, mais c'est pas, voilà, c'est pas trop chargé. Après, ben pareil, on a le foil au niveau des petites, vous voyez, petites pétales. Le foil, il reste très, très, très fin. Là, c'est des petits nœuds. Alors, il faut bien les voir. Alors là, vous n'allez rien voir. Donc là, c'est des petits nœuds. Peut-être que vous allez voir quand ça va être le foil. Vous voyez mieux, là. Là, c'est des petits nœuds comme ceci. Après, on a du rose à pois. Du rose à pois avec du foil. Ensuite, nous avons ben, les petites cartes. Enfin, les petites. Elles sont quand même pas mal grandes. Des petites cartes comme ça. Et avec le tour en foil. Et c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, franchement, il est super beau. Et puis, il est coordonné aussi au niveau des couleurs. Voilà. Je trouve qu'il est vraiment super sympa, celui-ci. C'est pas mon préféré. Après, il y a celui-ci. Alors, celui-là, il s'appelle Watercolor. Voilà, comme ceci. Alors, celui-là, il est plus, voilà, pour des fonds. Vous voyez, franchement, il est en dégradé fond, comme c'était un peu aquarellisé. Comme c'était de l'aquarelle. Je pense pas que ça existe, aquarellisé. Voilà, donc là, on a les deux mêmes feuilles. Donc là, vous voyez, pareil, ça fait juste des... C'est joli pour faire des fonds. Où, voilà, enfin, franchement, celui-là, je le trouve super beau aussi. Et après, ça reste dans mes couleurs. Donc celui-là, on a... Ah si, je vais dire, on n'a pas de feuilles. Donc après, on a comme ça, mais vous voyez rien en fait. Là, dans ce bloc-là, vous voyez pas grand-chose. Vu que c'est des couleurs, elles sont quand même assez pastel, donc du coup, vous voyez pas trop.
Après, on a ça, la même chose, mais avec des petits pois. Là, par contre, il est vraiment beaucoup. Donc là, après, vous voyez, ils ont déjà fait ce style-là, hein, mais voilà, j'avais jamais forcément pris. On a la même chose, mais avec des petits pois de foil. Vous voyez à l'intérieur. Après, pareil, un petit dégradé de bleu rose. Là, c'est surtout, voilà, des choses comme ça. Là, on a des petites étoiles comme ça. Ça, après, j'ai un peu plus de mal. Mais bon. Après, on a ça, c'est quoi? Des petites feuilles, en fait, dessus. Un petit peu de mal, là, aujourd'hui. La semaine est compliquée. Voilà, comme ceci. Après, là, c'est un peu plus foncé au niveau des petits dessins. Et là, c'est des petites fleurs qu'on a dessus. Et puis là, voilà, on est parsemé de fleurs avec le foil. Là, après, on a des petites rayures avec. Voilà, des rayures foil. Là, on a un dégradé de un peu orangé. Ouais, orangé. Après, on a des petites fleurs comme ça. Après, là, c'est des petites flèches. Après, celui-là, je l'ai bien aimé, mais c'est voilà. C'est juste vraiment pour faire des fonds que j'ai pris celui-ci. Pas pour autre chose. Voilà. Après, là, il est bien, bien. Celui-là, il est vraiment. Ah, du coup, il fait même texturer tellement qu'il est. Après, on a des petits. On dirait des petites lunettes. Comme ceci. Après, il y en avait quatre. J'ai pris les quatre modèles. Hein. Je crois qu'il y en a d'autres, mais moi, ils n'étaient pas chez moi. Là, on a des feuilles comme ça, qui sont pas mal aussi sur un ton un peu orangé pour l'été, pour je sais pas. Donc celui-là encore il passe. J'aime bien. Et après pareil, toujours pareil. Ça fait comme des petits dégradés un peu de. Voyez, franchement, celui-là aussi il est sympa. Puis dessus c'est des genres de petites, voyez, des petites feuilles verticales. Et après on arrive à la dernière. Il est nu, voilà, comme ceci, c'est la même. Donc franchement, celui-ci, il est vraiment aussi, enfin voilà, il est joli pour faire des fonds, il a des beaux dégradés de couleurs, en plus c'est pastel, donc moi j'aime beaucoup. Voilà. Tac, j'aurais pas aimé, de toute façon j'aurais pas pris, vous savez que je prends pas juste pour prendre maintenant. Alors ensuite, on a celui-ci. Alors, donc du coup, quand j'ai vu marqué vintage, en fait quand je suis arrivée, j'ai vu celui-là en premier, et de toute façon on voit les décors là, des blocs, on voit que c'est pas les mêmes. Par contre, dans ceux-là, on n'a pas les petits, les petits die cuts, les petits trucs de découpe et tout. C'est vrai qu'ils ne le font pas dans ceux-là. Alors, bon. Alors, du coup, celui-là, c'est un vintage basique. Donc, quand j'ai vu vintage, bien sûr, j'ai sauté sur le bloc. Mais voilà. Avec le foil, ça fait pas trop vintage. Mais il est sympa. Au niveau des couleurs et tout, franchement, moi, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, il va être en fait dans les tons orangés. Voilà. Donc, là, on a une page orange, un petit peu comme ça, avec des dessins, voilà, un peu baroque dessus. Donc ensuite voilà, là direct on arrive, bim, là c'est foil, tout ce que voilà, tout ce que j'aime pas forcément. Mais après pourquoi pas, on peut toujours le travailler, je ne sais pas comment, mais voilà, on peut toujours en faire quelque chose. Après, ben voilà, on arrive avec une feuille toute simple, un peu dans les tons de vert. Ensuite, pareil, mais voilà, en foil comme ceci. Ensuite, pareil, dans les tons un petit peu orangés comme ça. Moi, j'aime bien. Après, pourquoi pas, même pour l'automne, les garder. Et pour faire des fonds orangés, ça peut être vraiment sympa. Ou après, pour aussi faire du vintage, des cartes, etc. Bon, là, on a une carte simple avec, vous voyez, un carré autour. Et je pense que l'autre, c'est du foil. Mais voilà, ça sent un fond, ça sert aussi. Après, on a ça. Alors, moi, ça me fait penser à une tapisserie qui avait, vous savez, les tapisseries qu'il y avait à l'époque, là, dans les maisons. Moi, chez moi, à l'époque, quand j'étais petite, c'était un peu dans le même style. Donc, on a ça. Et la même chose avec le foil. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas de foil. Je vous avoue que quand il y a les autres blocs, là, là franchement. Après, on a ce modèle-là, comme ça. Vous voyez, ça fait pas trop, trop vintage. Ça fait, je sais pas. Donc là après on a le foil de toute façon, enfin pour moi il fait pas vintage, ça fait pas vintage. Donc après on a un papier un petit peu décoloré, taché.
Ensuite, on a le même. Ensuite, on a un petit peu pareil, dans les tons un peu orangés, briques, comme ça, mais avec des petits dessins comme ça dessus. Ensuite, on a le même. Ensuite, on a ça avec c'est des genres de petits papillons, on dirait, dessus, comme ça. Mais dans les tons pareils, un peu ocre, orange. Ça me fait penser un petit peu plus aux choses algériennes, maghrébines, marocaines. Après, on a ça. Ensuite, on a comme ça, là, vous savez, un petit peu taché, ça sert toujours. Ensuite, on a ce modèle-là. Alors, en fait, il est comme ça. Et après, en fait, au fond, vous voyez, il est un peu plus vieilli. Donc, après, on va avoir du foil. Ouais. Ensuite, pareil, comme ça. Ça fait vraiment penser à des tapisseries, quoi. Donc, après, on a le tour en foil. Ensuite, ben, la même page que tout à l'heure, hein. Comme ça, donc là, ça va être la même. Après, on a ceci, comme ça, et l'autre avec le foil. Et ensuite, dans les tons de vert, comme ça. Et ensuite, ah ben non, vous voyez, alors là, je pensais qu'il y avait avant du foil, et ben non. Et voilà, donc celui-ci, il est sympa aussi. Parce que ça change un petit peu des papiers, même pour des fonds, etc., pour du vintage. Mais après, voilà, ça, c'est pas un bloc. Une fois que je l'aurai plus, j'en achèterai pas un deuxième. Autant le premier, oui, le deuxième, non, mais voilà. Alors, lui, voilà, celui-ci, j'aurais dû en prendre deux direct. Là, je suis en train de regretter parce que je me dis que... Ouais, je vais y retourner, il y en aura plus, c'est sûr et certain. Il est noir et or. Alors, c'est pas mes couleurs de prédilection, mais il est franchement trop, trop beau. Le foil, j'aime pas, mais là, avec le noir, franchement, ça ressort. Il est juste magnifique. Donc, en fait, par contre, ça va être des couleurs animales, quoi. Genre le léopard, etc. Mais, vous voyez, parce que là, ça fait tacher le léopard. Mais franchement, ça passe. Ça fait super joli. Donc là, on en a deux comme ça. Là, après, regardez. Donc, du coup, on a, vous voyez, un petit comme de la savane, hein, en fait, avec les arbres, enfin, les fleurs tropicales, etc. Et après, en fait, vous l'avez en, vous voyez, mais avec le noir, franchement, ça rend super bien. Donc, après, là, pareil, on a des palmiers. Sur fond noir. Bon, après, il faut vraiment les voir là en caméra, vous voyez pas top top. Donc là, pareil, on n'a pas de foil. Ensuite, on a celui-ci avec des fleurs comme ça, un petit peu orangé comme ça. Et après, on les a, vous voyez, en foil. Franchement, ça fait super beau. Donc là, on a les petits léopards. Et ensuite, on les a en foil aussi. Donc là, après, c'est une page noire. Pour une fois, toute simple. Voilà, là, hier, je disais que j'avais pas de feuille noire, feuille unie 30-30. Ben, non, mais pas, c'est même pas unie. J'y vois rien, en fait. Alors, il y a un petit fond, mais alors, faut vraiment voir. Et moi, avec ma vue, on dirait qu'il y a vraiment un fond, vraiment, avec des petites fleurs dessus. Mais alors, faut vraiment les voir. Hein. Donc là, on en a deux comme ça. Ensuite, on a des feuilles de... des feuilles de palmier, ça. Ouais. Comme ceci. Et ensuite, c'est juste des feuilles. On les a en foil, comme ceci. Ensuite, on a pareil, plein de petites feuilles, en fait. C'est beaucoup sur la nature, quoi, les feuilles, les feuillages, etc. Et ensuite, on l'a avec du foil. Après, on a les carrés comme ça, là, ça y est, j'ai perdu mon truc. Oui, comme les tags, en fait, les carrés à découper. Et après, on les a en foil, vous voyez.
Ensuite, on a pareil des feuillages comme ceci, donc un petit peu dans les tons jaune orangé, ça fait pas jaune. Et après en foil. Franchement, moi je le trouve vraiment trop beau celui-là. Celui-là avec pareil, c'est un genre de feuille. Bon, après, je connais pas grand-chose, je pourrais pas vous dire c'est quoi et quoi. Voilà, c'est super joli. Et après, hop, en foil. Là, celui-là, il est magnifique. Ça fait un peu dans les tons un peu gris, gris, noir et tout. Franchement, ce topage-là, je l'adore. Et ensuite, ben non. Mais tant mieux, il y en deux fois celle-là. Tududu. Ensuite, eh ben, on a des palmiers. Ça, c'est des palmiers. Hein. Je voyage plus. Hein. Donc, enfin, je voyage plus. J'avais voyagé. Hein. Et les vacances. Et on a en foil. Ensuite, on a pareil des feuilles comme ceci. Ensuite, on les a en foil. Ensuite, on a pareil des feuilles, mais là, par contre, dans les tons un peu gris. Voilà, ça fait noir et gris. Noir et blanc, on va dire un petit peu. Moi, je trouve ça super joli. Et ensuite, ben non. Et après, c'est tout. Donc, voilà, voilà. Franchement, c'est magnifique. Celui-là, je vous dis, et celui-là, je ne rachèterai pas en double. Mais peut-être que le noir et lui là, je rachèterai. Ouais, je rachèterai celui-là, c'est sûr, sûrement en double. Et le noir aussi. Voilà, voilà. Bon, ben sur ce, la team, j'espère que vous les trouverez. Après, je vous fais pas des vidéos pour que vous me disiez en commentaire. Ah, moi, j'ai rien. Enfin, on n'a pas tous des trucs dans les actions où je ne vous montre pas pour vous envier, pour vous dire moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer les petites nouveautés qu'il peut y avoir. Mais voilà, c'est pas du tout pour vous donner. Enfin voilà, pour vous dire j'ai eu ça, mais voilà quoi, c'est ça que je veux dire. Bon, mais sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes. Et protégez-vous. Allez, bisous.